t'as fait pendant ta vacances? Bon, ben, 3 semaines où j'ai rien fait, et puis là j'ai rattaqué la saison, on fait la préparation physique avec toi ce matin. C'est parti jusqu'au 24 juin, jusqu'à ce qu'on reprenne le club. Et toi? Moi, écoute, j'ai fait quelques coachings, je me suis reposé un petit peu quand même. Je suis pas allé faire des randos de nuit. Et sinon, je profite de la famille, des enfants et de ma femme, et ça fait plutôt du bien, quoi. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rambiller avec Albi? Ben, pour être honnête avec toi, en fait, je crois que je suis amoureux de toi. Comment ça, je sais. Ben écoute, non, je sais pas, je pense que... Ben voilà, j'ai déjà ma situation familiale, j'ai mes enfants et ma femme qui sont à 2 heures, donc c'est plutôt un confort pour moi d'être qu'à 2 heures de ma famille. Puis bon, je suis pas du genre à quitter le navire comme ça, donc je pense que c'est une dernière année vraiment importante pour le club et j'ai envie de faire partie du projet, quoi. Bon, mais c'est cool, tu vas pouvoir me faire manger pendant un an encore. Ouais, impeccable, tu pourras aussi me faire une médecine ou quoi. Ouais, avec plaisir. Il y a des pulls que tu mets pas en sèche-linge, tu te rappelles de ça? Et toi, du coup, c'est quoi alors tes ambitions pour la saison prochaine? Eh ben, personnellement, d'avoir plus de temps de jeu, déjà, et puis refaire monter le club en Pro D2 et que tout se passe comme prévu. Et j'espère que ça va rouler et après. Inch'Allah. Et t'as trouvé le club comment là? Après une défaite de demi-finale, j'ai trouvé que les dirigeants étaient très... Ils ont beaucoup relativisé et je les ai trouvés sereins pour l'année prochaine. Ils gardent pas mal de joueurs et ils font l'effort à garder le statut pro et de nous mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir remonter l'année prochaine. Et j'espère que ça le fera. Et toi? Ouais, moi aussi, je trouve que... Moi, franchement, je suis pas inquiet quand je vois qu'il y a pas mal de clubs qui ont mis pas mal d'années avant de remonter entre les deux, comme Aix-en-Provence, Nevers, avec le triple de budget d'Albi. Je pense que, honnêtement, si humainement, on arrive à créer quelque chose d'assez fort, on va pouvoir espérer faire remonter ce club entre les deux. En tout cas, je l'espère réellement, quoi. Une petite anecdote sur toi. Ouais. Impossible d'aller à l'entraînement sans se mettre un peu de parfum et le peigne sur la tête, tranquille. Et pour finir, écoutez, j'espère qu'on va passer une bonne saison et que ça va le faire et qu'on va remonter en Pro D2 le plus vite possible.